Ok, avec un peu de chance, le truc va En tenir. fait, là, il est en espèce de pâte à modeler, ton truc. En fait, là, quand il est en mode comme ça. Ouais, il est en mode flasque. Ok, flasque. Parce que là, j'ai désactivé la perche. Il n'y a pas besoin de ce qu'elle stabilise, on ne bouge pas. Ça tourne un peu. Non, oh, tu risques de le. D'accord. Je vois ce que tu veux dire, mais comme le câble fait presque tension sur mon. Voilà. Voilà, super. J'en ferai pas plus. Ouais, faut mieux pas trop Je veux tripoter. surtout m'asseoir. Allez, repose-toi un peu. Ouf. Putain, ils sont chiants. Épuisant, mais plaisant. Si, on voit que j'ai cuit. Hein. Ah oui. On voit que j'ai cuit. Hein. Là, je suis bien rouge et là, je suis Ouais. bien blanc. Ouais. Alors, même l'autre bras. Pouf. Là, on ne bouge pas pendant 20 minutes. Ah oui, pareil. Hein. Et je t'offre du café. Tiens, je bois du café. J'ai tellement soif. Break Raters, Keeper, Creed. Ouais, je vais sortir là. Je me garde avant qu'on rentre en ville le petit fond Oui. pour boire régulièrement. J'aime Et bien. ce sera parfait. Ça aurait été tout juste la quantité d'eau qu'il me fallait. Alors, ta tasse. Du coup, que je te restituerai. Attention, il y a la batterie. Attention, les tiques sont là. Oui, elles sont plus dans l'herbe. D'accord. Elles sont plus dans l'herbe. Merci, Dayonet. Je t'en prie. Je t'en prie. Si t'as soif, hydrate-toi. Je sais pas si j'ai envie d'en boire parce qu'après je vais te décaler. Mais j'ai quand même craqué parce que j'ai très soif en fait. Mais pardon, excuse-moi, je sais pas. Tu vois, j'ai des ongles. Hein. Moi, je suis un garçon avec des ongles. Oui, bah non, je m'en fais mal, J'étais. t'inquiète. Voilà, je suis un garçon avec des ongles. Je sais Moi pas si ça aussi. se voit, mais j'aime bien garder les ongles. Hein. Je suis un peu efféminé parce que j'aimais bien pas battre des records de longueur d'ongles quand j'étais ado. Mais on va dire que c'était mon côté efféminé quand j'étais ado. J'adorais avoir des ongles longs. Dis-moi, est-ce que tu aurais ton eau là, ton eau de bouteille, tu l'as gardée, la bouteille transparente? Je vais prendre une photo pour voir goûter cette fameuse eau. On a acheté une bouteille, ça Merde, m'intrigue. j'ai donné une beigne au téléphone. Ramasse. Elle est décentrée. Je... Vas-y, c'est moi qui suis nul. Ah! Ah, c'est moi la star! C'est toi la star unique. Voilà, merci beaucoup. Je t'en prie. Je goûterai. Et la température est froide, il faut la goûter ou chaud, ou tiède. Tiède ou frais, mais pas chaud, non? C'est chaud. Mais Chaud, ça, en c'est infusion? piège. Attends, mais maintenant ça va tomber, ça va tomber. Mais ah oui. Non, mais ça va tomber. Attention, le téléphone. Il est sur sa perche, il est bien mis. Ok. C'est juste le cadrage qui se barre la gueule. Voilà, là je pense qu'on me voit bien. Tant pis si on me voit mal. Parce qu'en Ah, fait, ça tenait, bordel! là, je Ah bon? regarde. Là on te voit bien. Là on te voit sur le coin. Là Oui, mais ça on tient voit plus. plus. Ouais. Là c'est bien, là c'est Attends. bien. Oui, mais le câble est. Voilà. Si on voit juste la tête, c'est bien. Ouais, on peut peut-être voir un peu. Oui, c'est vrai que la nature derrière. Là, c'est très bien cadré. Merci. Ne pas toucher le sac. Désolé, je t'ai planté la bouteille, c'était bon. C'est pas grave. Je m'en Tu veux remettrai. prendre la photo de la mienne? Vas-y, la photo de la J'ai bouteille. peu Carole, là, je connais. Je fais C'est même lente, le pardon. prénom de ma soeur, elle se prénomme Carole. Ah, d'accord. J'embrasse ma frangine, mon adorable frangine. Mets ça dans la poubelle. Hop, je suis pas un cochon. Je suis propre. Je mets les déchets dans les poubelles. Oh, le beau coup de soleil. Ah, c'est des clous, on se repose. Ah, putain, je bouge plus. Ah, il faut se reposer. Hein. Ah, je me sens courbaturé, mais c'est bien, c'est de la bonne fatigue. Et ça a bougé. Enfin bon, c'est pas grave, au moins vous voyez la nature, mais. C'est merde. Ouais, ouf. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Là, je Ne me pose bougez un plus, peu vous êtes parce dans le que je cadre. m'appuie sur la table. C'est de la bonne fatigue, c'est des bonnes courbatures. Donc je sens que je vais presque, pas hurler, mais gémir quand je serai sous la douche ce soir. Ouais, Parce que ça allez. va être une phase de décompression pour le corps. Ah, j'entre dans la phase repos. Et demain, je sens que je vais être magnifique. Je sens que je vais me sentir en lévitation. Je suis Rayman. Mes bras, mes membres se détachent. Je t'interromps, est-ce que je peux finir mon café? Oui, vas-y. On va y rester plus grand chose.
Oui, c'est adorable. C'est bien. C'est cool. J'attends qu'il refroidisse un peu parce que trop chaud, j'aime pas boire chaud. Ouais. Le matin, c'est bien chaud. Mais comme je le disais, j'aime bien le café froid, chaud, sucré, avec du lait. Non. Oh, une mouche, oh non. Non, c'est pas une mouche. Qu'elle est bête. Ouais. Je l'écrase pas, mais j'ai peur qu'elle meure. Là. Elle a dû boire une gorgée de café et son système nerveux va être déglingué. Pauvre bête. Ouais. Qu'est-ce que t'as pas fait là? Quelle erreur. Grands arbres. On vient de perdre un Pokémon niveau 1. Ou un Munchkin niveau 1. Ouais, non, c'est triste. Mais je pense qu'il a été ébrûlé et intoxiqué à la caféine. Quelle erreur. Il a fait l'erreur dans sa vie. Ouais. C'est pas grave, il va se réincarner en coccinelle. Il est mort là. Pouf. Ouais. Non, il capote. Non, mais oui, non, mais la dépouille va tomber au sol. Là. Ouais. Et le grand process de la nature a fait qu'il va être décomposé cette nuit. Faut vite appeler un chirurgien. Ah, nous sommes fatigués. Observons 5 minutes de silence. De zénitude et de communion avec la nature. Ah bon, cuisine, à tes souhaits. Non, on est en routine ici. J'ai pas mis la main parce que je savais que je visais le sol. Donc non, je t'ai pas contaminé. Ouais, t'as pas visé le café, c'est bien. Impression d'entendre le véhicule. Alors attends, là il y a du collant, je vais verser par terre. Hop. Oui, c'est vrai, j'ai des petites serviettes. Je n'ai pas besoin. Oh, ce bruit. Ouais. Si vous avez des questions dans le chat, c'est maintenant. Je dis plus rien, donc je peux parler par-dessus. J'anticipe déjà. Ouais. Alors, je sais pas, je pense qu'il est encore d'actualité, mais quand on fera la forêt de haies, normalement, on a le musée d'automobile. Ah oui, c'est bien ça. Alors, on n'ira pas la première fois. Je pense que je prendrai des renseignements et voir si je serai autorisé à filmer pour une deuxième fois. Ah oui, oui, oui. Mais je prendrai déjà l'info. Ouais. Tout ce que j'ai bu, là, je ne l'ai pas uriné hein, depuis ce matin. Ben oui, moi non plus. C'est dingue, mais ça c'est... Je suis parti, j'ai fait la précaution avant de partir, mais pas grand-chose. Et puis, Même pas, moi même pas. Je ne me vois pas au pied du lit soulager ma vessie. J'en éprouvais pas le besoin. Et, oui. Parce que la sueur, ça récupère la sueur. J'ai précautionneusement pensé. Bah, c'est juste que l'eau qu'on a bu, c'est la quantité qu'il fallait. Tout juste. On va quand même boire un grand verre d'eau en rentrant et puis nettoyer la machine. Détoxifier. Mais avec un peu de chance, ce soir, c'est vrai que j'étais pas chaud à l'idée de décharger les appareils. Oui. Mais ouais, je pense que je ferai déjà quand même ces quelques clics à faire. Oui. Transférer sur l'ordi, je ferai un contrôle qualité, je t'enverrai un MP Discord pour te dire c'est bien, c'est pas bien. Ouais. Je suis confiant. Oui. De ce que j'ai vu du téléphone dans les comptes contrôle, ça se passait super bien. Oui, oui. Puis tout à l'heure, oui, quand on repartira, si on se fait la petite boucle forêt,
Si ça te dit cette fois-là, pour quelques minutes, t'amuser à tenir la perche pour voir comment ça fait. Oui, je vais essayer, ouais. Ce sera rigolo. Ouais, je vais essayer et puis. Et je pense. Il y a des bestioles. Ça court partout. Ah. Eh oui, on se fait gagner par les bestioles. La nature prend ses droits. Non, j'échange beaucoup avec Torotin en ce moment sur le serveur Minecraft. Avec Minecraft, ouais. Il a une quête en fait. Il pense qu'il y a un, je crois, en gros, il me disait qu'il y a un boss caché. Il y a une créature cachée qui est peu connue des amateurs de Minecraft. Elle n'est pas dans le wiki, j'ai l'impression, son histoire. Il émet une théorie que je trouve géniale, donc du coup, c'est captivant. Il dit que dans les grandes profondeurs, il y a un endroit précis, il a pris des renseignements. Il y aurait plus que la créature des profondeurs nouvelle, là, je ne sais plus comment il l'appelle. Moi, je l'appelle créature des profondeurs. Il y aurait autre chose qui aurait été cachée, en fait. D'accord. C'est génial. Le niveau des vaches de Diablo. Un peu de ça. Ouais, l'idée, là. Et c'est voilà. Sympa. Et justement, je suis content de t'avoir donné comme ça, sous la main, le truc pour pas passer par le site. Mon comptoir, non, c'est. Pour cotisation. Pour commun. Oui, voilà. Merci. Oui, merci. C'est mieux, ça me soulage. C'est adorable, merci. Ça me soulage, je suis content. Oui, bah, je ferai une injection sur mon compte bancaire et puis je refais un virement de mon côté. Je leur fais compte. D'ailleurs, il faut que je complète mon inscription sur le pot commun. Ah oui, parce qu'il demande la carte d'identité. Ouais, je ne l'ai pas fait. Le pire, c'est que j'ai déjà ce qu'il faut numériser, mais je ne me suis pas exécuté. Moi, quand ils m'ont demandé, je dis oula, qu'est-ce qu'ils me demandent là? C'est la loi, parce qu'il y a eu des. Oui, il y a eu des détournements, il y a eu des trucs pas bien. Oui. Donc, non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Mais j'avais déjà montré ma carte d'identité la première fois que je m'étais inscrit sur Verigames, mon hébergeur actuel de Minecraft, que je vous recommande. Hein, Verigames, j'ai aucun pépin avec. Et quand les serveurs étaient fermés pour incident technique, ils vous remboursent. Ils vous allongent votre forfait du nombre d'heures qui a été impacté par la panne. Comme quand on a une panne internet, ils te remboursent le temps au prorata de ce que tu n'as pas eu d'internet. Très bien. Et bref. Il m'avait demandé ma carte d'identité en 2012, quand je m'étais inscrit sur. Non, en 2013, je crois. Je crois que j'avais. Non, je crois que c'est en 2012. Hein, que j'ai. Non, c'est en fin 2012 que j'avais Noël 2012. Que j'avais ouvert mon compte chez Verigames et que j'avais acheté un serveur pour la famille, avant que ça devienne voilà, le serveur merveilleux, famille, il y a plein de content que vous êtes. C'est génial, c'est génial. C'est bien. C'est génial. Oh, je connais pas ce Pokémon. Attends, est-ce que c'est un gendarme? Non. Ça vient de Chine? Non, mais il a des ailes rouges vermillon, magnifique. Oui, c'est marrant. Et c'est pas un gendarme. J'ai envie de dire, celui-là, il ne faut pas qu'il aille dans mon café. Je vais mourir tout de suite. Ouais. Merde, Verriem, machin. Enfin bref, ils sont très bien. Je me souviens que j'avais eu un entretien téléphonique. J'avais laissé mes coordonnées, ils avaient vérifié à l'époque qu'ils m'avaient appelé. Je leur dis, oui, je suis Monsieur Le Sage. Je tiens à louer chez vous un serveur, je suis majeur. Vous pouvez voir ma carte d'identité. Quand j'ai ouvert le serveur, j'avais quel âge? Je devais avoir 28 ans, je crois. Je sais plus. Là, j'ai 40 piges. J'ai ouvert un serveur, camion, comme ça, on pourra jouer à 16, 32. 32 ans, le camion, le carnage sur l'autoroute, t'imagines. Pour revenir au camion, je suis content, j'ai vu qu'il y a Joe Fayen qui s'est manifesté oui. Christella, c'est bien. Il a pris un clip exceptionnel, j'ai demandé une faveur à Christella, elle a accepté, on a fait un vol plané chacun du côté de l'autoroute, c'était impressionnant. Je l'ai vu, je sais plus, mais peut-être que j'avais pas le temps de manifester avec sur le chat, mais je vous ai vu, j'étais mort de rire. Trois écrans, là. Ouais, non, c'est très bien. C'est impressionnant. 100% de dégâts partout, je m'en souviens. Ouais, j'ai pris une photo, je l'ai mis sur World of Truck. 100%. J'étais plus soyé une fois et j'ai eu un petit commentaire plus plus. Aïe aïe aïe. Ouais. Mais c'est bien, chacun trouve son plaisir là où il est. C'est cool. C'est cool, cool, cool. Il y a Twinsen, il faudra qu'on fasse Twinsen et je me range de son côté, je suis d'accord avec lui. Il va essayer de nous brancher à. Il en avait parlé durant Portal 2. Team Fortress 1 et 2. Mais je crois qu'il aime plus le 2, Twinsen. Ah oui, Team Fortress, il y a un jeu, un mode que j'aime bien dans le jeu, c'est le cache-cache. Tu mets tu t'es un caillou, tu te plantes parmi les cailloux.
Et ça, une fois, j'ai réussi à avoir mes potes comme ça. Ils disaient, oh, tu es un caillou. J'ai rigolé à la fin. J'étais passé deux, trois fois devant moi. J'étais trop mort de rire. C'est un mode qui a été repris dans G-Mod. Ouais, Hide and Seek. Ouais, mais on le fera. Garry's Mod, il est marrant aussi, non? Garry's Mod. Oui, G-Mod, je dis G-Mod. C'est son contraire. Ah oui, c'est ça le nom. Okay. C'est Garry's Mod, ouais, on comprend. Oui, il y est aussi. Ouais, ouais, j'ai la chance de l'avoir. Mais ouais. L'avantage de Team Fortress, c'est qu'il est gratos. Ouais. Donc, oui, il faudra qu'on se magnifie ça. Il sera content, une scène. Il faudra qu'on se fasse ça. Ah, en parlant de plateformes de distribution, il y a toujours des plateformes comme Steam, GOG, Microsoft, tout ça. Ils ont tous des approches différentes des contacts. Epic Games. Au niveau des contacts que tu as sur avec qui jouer. Ouais. C'est impressionnant. Steam, c'est comment dire, les fonctions classiques, mais tu n'as pas le blocage des messages. Tu peux bloquer tous les éléments que tu veux dans le jeu, que tu partages avec les gens sur les activités du jeu que tu fais. Le message est en train de se détendre parce qu'il a mal au cou. Et ensuite, il y a GOG où tu peux en plus bloquer les messages. Et Microsoft, quand tu t'as un système de mie qui est un peu spécial, t'as les followers, et d'une fois que les deux personnes se follow, elles deviennent automatiquement amies. Et si jamais tu retires quelqu'un, se retire l'ami, reste follower. D'accord. Ça, c'est marrant. Oui, ils ont retiré le truc ami sur Twitch. Ouais. Ah oui, pourquoi ils avaient fait ça, justement? Je sais plus. Peut-être qu'il y avait un problème de sécurité, il y avait peut-être des dérives. Il y a moins de bugs, d'ailleurs, sur Twitch, en ce moment, tu trouves? Ça s'est calmé, c'est vrai que ça s'est calmé, il y a moins de robots, il y a moins de fantômes. Pas les robots, mais les bugs. Les fantômes. J'appelle ça des fantômes. Ok, parce que quand j'en ai moins en ce moment, c'est vrai. Quand tu étais fâché la dernière fois parce que le truc il buguait trop. Ah, j'en avais une colonne, je voyais même plus qui en vrai était connecté chez moi. Ouais. Donc parfois ça aide pas. Parce que comment dire, je vais donner un exemple, pardon, je vais parler de Tensa Libre, qui se manifeste juste quand je fais du Final Fantasy, parce que c'est un super fan de Final Fantasy, le reste ça ne l'intéresse pas, que je respecte parfaitement. De temps en temps, quand je vois quelqu'un arrive sur mon chat, je sais que certains n'aiment pas être mis en lumière. Je respecte, mais j'ai l'info. Donc subtilement, je sais que Tensa Libre, il aime bien suivre mon histoire Final Fantasy. Sans le citer, sans le nommer, je vois qu'il est là et je glisse cette info que je sais qu'il peut attendre potentiellement. Ah, mais je serai peut-être pas là le week-end prochain. Je vous dis déjà que vous retrouverez mon prochain épisode de Final Fantasy dans 15 jours. Parce qu'il a déjà pointé un dimanche matin, comme je fais à ce moment-là le jeu-là, un dimanche matin où je faisais pas Final Fantasy parce que j'avais fini le premier bourré là récemment et j'avais décidé de faire autre chose. Je voulais faire du Far Cry, autre chose pour marquer une coupure, souffler un peu. Et je lui ai glissé le mot parce que je l'avais vu. Je dis tiens, moi je lui glisse le mot, il sait que voilà, j'ai pas c'est abandonné, bien. Mais que je fais juste une petite pause. Ouais. C'est bien d'avoir une communauté et d'être adapté envers sa communauté. Ça, c'est cool. Ouais, bah, j'essaie de m'adapter. Ouais, Il y a toujours des fois, il y a ce qu'on appelle les trollers quoi, qui sont là pour juste pour troller au lieu de discuter gentiment du jeu. Donc c'est toujours difficile de faire la barre des choses si la personne est plaisante. Ou plaisante pas, tu vois. C'est toi. Comme c'est une ligne écrite, tu peux interpréter qu'à ta façon la lecture, c'est ça en fait. Ouais. Mais c'est au bout de plusieurs phrases que tu te rends compte que c'est bien ou c'est un problème ou tout ça, quoi. Plusieurs interactions. Je me souviens une fois, j'avais écrit, je voulais faire le jeu. Il y a des jeux, tu sais, le point d'exclamation GT comme ça sur ta chaîne. Et sur le jeu, sur Christella, il y avait le jeu de la patate, tu fais point drop. Tu fais point d'exclamation drop. Et moi, j'avais mis point d'exclamation patate. Du coup, elle a dit, bah, alors, je te permets pas. Juste après, j'ai tapé drop. Et puis ensuite, personne ne voulait jouer au jeu de la patate. Personne ne l'a attrapé parce qu'ils ont, qu'est-ce qu'il est celui-là? Pourquoi il parle comme ça à cette fille? Et en fait, j'ai dit que je m'étais trompé. Et puis, je peux pas. Bon, personne ne jouait au jeu de patate. Je jouais tout seul à la pêche. Je lance le jeu, fiche, point d'exclamation, fiche, hop, une patate. Elle a dit, bah, lave-la ta patate. Aïe, aïe, aïe. Christella. Ouais, bah, ouais. Ouais. Ben, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, chez Clin d'œil, il y a Waneda dans le giron d'Aeroster, mais Waneda, c'est une demoiselle que j'apprécie bien. Elle, dans son Twitch chat, elle a fait point d'exclamation de transformation.
Et c'est un objet du quotidien où tu es transformé en balai de chiottes, en tapis, en clenche de porte, c'est rigolo. C'est la rentrée plein de trucs. Hop. Et de temps en temps, je passe chez elle, je lui fais un coucou, puis hop, transformation. Ah, c'est marrant. Oui, c'est rigolo. C'est rigolo. Vous êtes une planche de porte. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on dit ouvrir une porte en lorrain? Tu peux leur dire? Non, je sais même pas. Bah, clencher la porte. Ah oui, clencher la porte, bah oui, on se focalise sur la clenche. Ouais. M'étonne pas, m'étonne pas. Les sportifs. Ouais, il y a plein de sportifs ouais, qui passent. J'ai bu trop de café, je vais avoir des aigreurs, des estomacs. Ah, tu le sens Non, déjà? c'était juste pour la blague de Modinor avec Terminator qui dit ah, oh, j'ai bu trop de café, ça me fait des aigreurs d'estomac. C'est juste parce que j'ai pas d'eau, alors je suis obligé de me jeter sur le café et puis d'être comme ça ce soir. Tiens, je vais Hey. le temps de siroter doucement encore 10 minutes. Je vais reprendre l'autre téléphone pour lire mon mémo de sujet de blabla. J'ai fait l'andouille devant la caméra, je suis content. Bah, t'as encore d'occasion de le faire plusieurs fois. Attends, je veux tout. Voilà, attends, je vais tout fermer. Elle a disparu dans le trou là. La fourmi, c'est marrant. Merde, c'est pas ça. C'est dans appli, je crois. Non! Ah non! Doucement, doucement, reste zen, Ah reste putain, j'aurais de zen, ma ça! mayonnaise. Oh, heureusement qu'on ne filme pas, je l'ai ridicule! Oui, je sais, tu n'aimes pas ces bestioles-là. Ah Je te comprends. Oui, il est où mon. Comment Il va pas j'explore mes ça! fichiers, moi? Ah oui, c'est là. Parce Mes que j'avais le fichiers. souvenir des temps, ou des tons, qu'on appelle ça dans le sud, des temps, ça te coupe la peau et ça te prend du sang. Ah, je connais Ah pas oui, ça. c'est horrible! Ça ressemblait beaucoup et j'avais pas envie qu'il me fasse une entaille, quoi. Voilà. Ah, oh, oh, il y a Ah. trois gros sujets. Ah merde, je voulais tourner deux séquences pour mon YouTube. Une séquence vidéo privée, une séquence podcast. 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 Je couperai. Je vais les faire à l'arrache. Je recouperai plus tard. Alors, vous allez me prendre pour un idiot parce que vous allez entendre les enregistrements bruts de mes trucs. Mais en fait, je vais faire deux petites vidéos d'intro et autant le faire dans le cadre naturel, c'est sympa. Que sur, avec mon fond chez moi en noir, c'est un peu, vous le voyez tout le temps, c'est un peu chiant. Il faut que j'annonce les podcasts, qui est une nouvelle fonctionnalité de YouTube. Et je vais faire des podcasts annuels. Quand on bavarde bien, que ce soit le camion, Minecraft ou les promenades. C'est des vidéos qui s'écoutent plus en mode radio parce Oui. qu'on bavarde beaucoup. Oui. Je me dis, c'est un podcast idéal pour ceux qui veulent juste le baratin de tout et de rien et avoir comme une présence. Quand je Moi, fais la cuisine, j'aime je fais bien. pareil. Je me casse du stream, je laisse la petite enceinte et puis je m'accuse dans la cuisine. C'est super agréable en mode radio. Et j'aimerais proposer ce service puisque YouTube propose ce schéma maintenant de service de podcast. Et je vais mettre ces vidéos-là chaque année, je vais en faire des listes de lecture. Donc je vais essayer de retrouver tous les camions Minecraft et promenades qu'on a faites en 2022. Il y aura prochainement une étiquette podcast 2022. Mais je vais faire une annonce d'une vidéo à part introductive. 3, 2, 1, 0. Maintenant, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube des podcasts. Les podcasts sont en fait des vidéos où je suis très bavard, mais avec ma bande de copains, la communauté, comme on dit, où vous pouvez, en dehors de la vidéo qui divertit, certes, surtout nous écouter en mode radio. Et si je vous dis que c'est tout l'intérêt du podcast, c'est une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme. Donc, je vais vous faire chaque année une liste de lecture où vous pourrez continuellement piocher là où vous en étiez en fonction de merde. Il y a un avion qui passe au moment de l'enregistrement. C'est pas grave, ça marquera le coup, c'est rigolo. Juste au-dessus en plus. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Puis ça s'écoute plus que ça ne se regarde en fait. Donc voilà, faites-vous plaisir et j'espère que l'avion n'aura pas couvert ma voix. Sinon, je l'ai dans le baba. Sinon, tant pis, je la referai une autre année. Deuxième vidéo, c'était oui, les vidéos privées. Pour moi, garder des souvenirs de calibre, enfin calibrage, j'ai envie de dire, de règles, de tests, de phases de test avec toute mon électronique de manière générale, je me conserve des petites vidéos qui ne sont pas spécialement intéressantes pour le public et que je vais déclarer comme vidéos privées.
Donc voilà, il n'y a pas de, hein, je veux dire, de secret à cacher ou quoi que ce soit, bien que parfois certains le font avec YouTube, et c'est vrai que ça, techniquement c'est possible, mais voyez pas, soyez pas surpris qu'il y ait une liste de lecture qui vous est interdite d'accès, vidéo privée que vous ne pourrez pas voir, mais c'est moi pour mon aisance, avoir des repères et me faire des mémos en vidéo, pour voilà, je dois me rappeler de faire ci, faire ça, avant de faire une promenade par exemple filmée ou tel direct. Voilà, merci de votre compréhension. Voili Ah, allez hop, à l'arraché, c'est bien, j'ai fait mes deux petites séquences vidéo. super. Me poser. C'est grave de se poser après une longue marche. J'ai consulté l'heure d'ailleurs. Quand je retourne le temps que ça se ressuit. 17h55. Ah la vache, il est déjà 18h. On avait fait de partir à 10h du matin, parce que moi j'étais partant pour faire l'après-midi, mais ça aurait été trop court. Ça aurait été trop court, on se serait fait, t'as raison, on se serait fait avoir. On se fait quand même la petite partie forêt, je pense que ça nous prendra une bonne Oui, demi-heure. oui. Quitte à avancer un petit, presser un peu le pas quand on sera en ville pour, voilà, pour aller Plastane. Puis j'aurai échangé d'ici là, on sera plus à la perche. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un sujet, dernier sujet que j'aborde avant qu'on lève nos fesses et qu'on continue le périple. La pandémie, j'ai vu un article assez terrible de la censure pour faire. Alors, dans les grandes lignes, hein, je pourrais vous redonner le lien de l'article, je pense. J'ai dû le conserver dans mes archives. Il y a une chercheure du CNRS qui, en dehors de ses recherches auxquelles elle est en fait accréditée, enfin engagée, elle se dégage en général une heure, 2 heures par semaine. Ouais, il y a un monsieur qui promène son chien et le chien est Viens désobéissant. ici! Ouais. Allez aussi! Allez Bref, pour dessus! parler, Viens ici! je crois que c'est Continue! pas fini. Viens ici! Viens t'asseoir! On va laisser passer l'incident, c'est pas grave. Ah, tu me rendais mon verre, merci. Oui, non, mais j'allais dire, laisse-le retourner que les gouttes tombent sur le bois. Oh, regarde. Oui, la bête. Ouais. On a peut-être une deuxième version. Le temps que je finisse. Oh, Oh c'est là là, retourné, c'est c'est bon. quoi? Oui, il a sauté parce qu'il s'est retourné bêtement. Ouais. Oui, donc pandémie, il y a une chercheuse du CNRS, donc du Centre National de Recherche Scientifique, français, de facto, qui consacre 1 heure ou 2 chaque semaine voilà, dans sa motivation de chercheuse sur la pandémie, la Covid. Voilà, j'ai une fourmi qui me monte dessus. Il faut savoir qu'il y a un réseau de partage à l'international sur Internet de données entre scientifiques. Et c'est des grosses quantités de données, hein, ça se compte en téraoctets, c'est vraiment du lourd, voilà, il se passe plein de trucs. Je peux interrompre? Interromps-moi, oui. Il y a 20, tu sais combien il y a sur le maxi, sur Steam, quel est le taux maximal de débit Internet, de téléchargement? Non, j'ai jamais regardé. 20 pétaoctets. 20 pétaoctets, oh la vache, oui, c'est énorme. Oui, ils ont une page de statistiques. Ouais. Une fois, j'avais flâné dedans pour me faire une idée, j'ai dit waouh, Ouais. c'est impressionnant. Voilà, donc je t'ai coupé. Non, mais je t'en prie, non, mais tu fais bien, Il y on est a, là il pour ça. y a, Ça va cool. Donc, la chercheuse du il y a... Ouais. CNRS qui échange des données, on va dire, sur son temps libre en bonus, elle se posait, en fait, elle était motivée à chercher le chaînon manquant, biologiquement parlant, de comment la pandémie a malheureusement eu lieu. Et au début, on parlait pas mal de la chauve-souris et du pangolin. Et le pangolin a été mis hors d'état de nuire. Il a été voilà, innocenté, on va dire. Et elle s'est rendue compte qu'il y a possiblement un chien qui était en vente sur le marché chinois de Wuhan à l'époque, qui était un chien, je ne sais plus le nom de l'espèce, qui ressemble à un raton laveur. C'est un chien qui a un aspect proche du raton laveur. Et les Asiatiques en raffolent, enfin en raffolent du moins en peluche. Après, ce qu'ils en font, ça les regarde. Enfin, bref. Et par acquis de conscience, elle se disait, c'est quand même une découverte, elle a fait une démonstration scientifique bah, difficilement contestable, elle a fait un truc de qualité. Et avant de partager à l'international, elle avait prévenu des collègues de confiance scientifiques à travers le monde en disant, écoutez, je vous invite je vais publier à telle heure mon rapport sur le réseau et vous en faites vite une copie, on ne sait jamais, pour peu que je sois censuré et tout. Elle a bien fait.
Parce qu'au bout de 24 heures, parce qu'il y a évidemment aussi des Chinois qui ont la main dessus, et les Chinois vivent très mal d'être le berceau de la pandémie. C'est sûr que c'est très lourd de responsabilité pour X raisons, et en partie, ils essayent de reporter la faute sur les Américains. Enfin bref, c'était prévisible. Je ne veux pas faire de la géopolitique, on n'est pas là pour ça. Mais effectivement, au bout de 24 heures, il y avait eu un effacement de son entrée de données scientifiques partagées à l'international. Ça dérangeait. La vérité était dérangeante, visiblement. Voilà, comme quoi le sujet est encore extrêmement sensible, enfin, surtout dans la communauté scientifique internationale. Et voilà quoi. Mais d'après elle, il paraît que c'est pas le pangolin. Il y a encore effectivement encore la chauve-souris incriminée dans la chaîne, on va dire, biologique de contamination. Mais ce chien dont j'ai plus le nom de l'espèce, qui ressemble, paraît-il, à un raton laveur, voilà. C'était pour dire l'anecdote, c'est dire, voilà, c'est dur dur. Hein. Le sujet est encore extrêmement sensible. Voilà. J'ai déjà oublié les deux autres sujets que je vais essayer de mémoriser pour notre route chemin de retour. Allez, mon téléphone, crache-moi le morceau. Oui, si j'oublie. Tu vas être mon aide-mémoire, mon cher Nayonet. Je suis enregistré, mais mon cerveau est en mode compote. NASA fusée, ce qu'aime bien Monsieur NASA Poupon. fusée, oui. NASA fusée, on parlait un peu. Enfin, il en a fait une excellente démonstration sur sa chaîne, Poupon. Mais je reviendrai un peu dessus. Et les nouveautés, bah Westbot, les intelligences artificielles d'une manière générale. Voilà, ouais, ceci encore des petits sujets. J'ai plus grand chose à rajouter parce qu'on a vécu pas mal de trucs. On a NASA vu fusée, les Westbot, échanges je le retiens, c'est bon, ça va. J'ai avec encore de la Westbot. place. Ouais, fusée, Westbot, IA. Tu NASA vois, fusée, Westbot, IA. ça s'affiche. J'ai fait mon Ah petit ouais. fichier texte et ça, tu vois, mon C'est petit sympa mail. l'écriture de la police d'écriture. Ouais, c'est embarqué dans le téléphone. Regardez, je sais pas si je peux vous filmer un écran avec. Je te dis ça tout de suite. Oh, je sais pas si tu le verras, mais Moi, on normalement. arrive à voir, hein. Ouais, C'est un peu flou, c'est éteint maintenant. Ah merde, ça s'éteint. J'ai mis mon. Ah oui, la luminosité s'est baissée. Mais ouais, j'ai mis mes sujets de conversation, voilà, dans un fichier texte. J'ai pensé à préparer comme voilà, comme je fais les entre guillemets les podcasts là, les conversations avec vous longues. Je me note maintenant mes sujets de conversation pour ne pas être avare en blablabla, tel que vous me connaissez en monologue continu. Tiens, je n'ai pas regardé mon téléphone perso, j'espère que tout va bien. Magnifique, on me donne une paire royale, je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est ouais, j'ai pas d'appel, pas de SMS. Je suis peinard, elle est On est belle en la vie. réseau, c'est pour ça. Dès qu'on rentre sur l'envie. Comme tu dis, il va falloir repartir. Non. Alors, on se tente la forêt pour ouais, une demi-heure. Allons-y. Et puis après on descend et je pense qu'on rentrera chez nous sur 20 h et quelques. Ça correspond à ce qu'on avait fait la dernière fois, l'année dernière. Alors, comment est rechargé le téléphone? J'ai envie de voir l'indicateur de batterie. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit plus rien, mais je pense qu'il est content. Oui, bon, bref. Parce que là, je sais pas. On a filmé combien de temps? Attends, j'ai pas regardé. Ah, on a filmé une demi-heure à table. Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien. Une demi-heure. Félicitations, nous avons fait une demi-heure. Bah, je pense en tout et pour tout, mis bout à bout, on aura pour 6 heures de vidéo. Ouais, je pense. La dernière Toujours de fois, c'était suite. pareil. Ok. On a fait 8-9 heures de Il marche en vrai, mais. commence à faire frisquer, je vais mettre mon petit pull. Moi, j'ai pris le risque de ne pas avoir de veste, mais je tiendrai. Au moins, il fait bon, il fait chaud. Alors que je commence à emballer. Du coup, j'ai pu amuser sur la batterie. Je pense qu'une demi-heure de recharge, ça retiendra jusqu'à la fin, du moins j'espère. Et puis, je changerai de téléphone. De toute façon, arrivé en ville, j'en reviendrai avec le lance-bleu de téléphone à la main. Ce sera pas gênant pour moi. Je garde la casquette, on sait jamais, en lanière. Oui, mes clés, mon téléphone, mon portable. Non, mes clés, elles sont au fond de la. Alors. Bah, si tu veux t'amuser déjà à filmer avec. Ah Attends, oui, je je te remballe sais. le trépied. Je te la Je remets te dans la laisse mettre chaussette. en place. Ouais. Sinon, je vais tout casser. Et puis, il faut que je réactive la perche, elle est éteinte là. Et de toute façon, qui casse paye. Alors, j'ai pas envie de payer 500 balles, donc je vais faire Ah! ultra gaffe. Non, mais je te fais confiance. Je te fais confiance.
Alors Je vais attends. prendre toutes les précautions du monde. C'est simple, tu verras. Je vais refaire le lien. Voilà, pardon, ça gesticule parce que par défaut, c'est en mode portrait quand j'active. Et ça a basculé, voilà, en mode panorama. Je vais refaire le lien entre l'appareil. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, je sais plus. Merde, comment on fait? Il faut que j'arrête l'enregistrement et que je le reprenne.